L'affectation des élèves en seconde et en sixième sera désormais effectuée en ligne. L'information a été annoncée par le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mamadou Binaté, lors du lancement de la campagne d'information et de sensibilisation à l'orientation et affectation en ligne des élèves en seconde et sixième, le mardi 26 avril 2022 à Abidjan. L'orientation et l'affectation en ligne des élèves en seconde et sixième répond à un dispositif pour faciliter la tâche aux partenaires les plus importants dans le système éducatif, que sont les parents d'élèves, a déclaré Mamadou Binaté. Tout est mis en œuvre pour que le processus d'affectation et d'orientation se fasse dans de meilleures conditions. Il a assuré que tout est mis en œuvre par la direction de l'orientation et des bourses, DOB, pour que le processus d'affectation et d'orientation se fasse dans de meilleures conditions. Le projet d'orientation et d'affectation en ligne des élèves de 6e a été initié en 2018 et expérimenté dans la direction régionale d'Abidjan 1. Depuis lors, il a porté des résultats positifs. De 2019 à la session de 2021, les taux d'affection en ligne des élèves en classe de 6e ont été de 85%, 90% et 92%. Adhésion de la population, ces taux positifs qui traduisent l'adhésion de la population ont encouragé la Banque mondiale, à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAI, à autoriser l'extension du projet à l'orientation / affectation en seconde, a déclaré le directeur de l'orientation et des bourses, Eko Bon Jérôme. Ainsi, la phase pilote de l'orientation / affectation en seconde concerne les directions régionales d'Abidjan 1, Abouasso, Korogo, Soubré et Yamoussoukro. Pour l'inscription, les parents d'élèves devront envoyer des OB par SMS au 9991 sur les réseaux de téléphonie mobile et suivre les instructions. Il en est de même pour l'inscription en classe de 6e. Lire aussi État généraux de l'éducation, les principaux points validés par la ministre Maria Toukoné. Le directeur de l'orientation et des bourses rassure les parents d'élèves concernant la viabilité du système qui est configuré pour faire affecter 500 élèves à la seconde. La campagne d'information et de sensibilisation à l'orientation / affectation en ligne des élèves en seconde et sixième s'entendra dès la semaine prochaine à l'intérieur du pays.